Et salut, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Max News. Aujourd'hui, nous parlerons du deuxième jeu Bendy. Pourquoi je n'ai pas dit le deuxième jeu Bendy, le titre? Parce que voilà, on parle vraiment du titre. Donc voilà, ce sera Bendy and the Dark Rival. Voilà. Et de toute façon, ce sera une vidéo très courte, voilà, que je ferai certainement. Voilà. Bon, à tout savoir sur le jeu Bendy and the Dark Rival, bah, découvrons avec vous. Allez, c'est parti. Installez confortablement et c'est parti. Pour Max News. Et c'est parti. Bendy and the Dark Rival, la suite de Bendy and the Ink Machine, montre du gameplay. Bendy and the Dark Rival est la suite d'un survival horror à la première personne. Sorti en 2017 de Bendy and the Ink Machine, nos frags n'avaient pas parlé de la chose et réparé. La série se caractérise surtout par son style graphique très particulier cartoon qui n'est pas sans rappeler le Walt Disney des années 30 et 40. Le premier avait reçu plutôt des bonnes presses, n'ayant personnellement pas touché au titre, je me garderai de tout commentaire. Pour information, il y a un score de 71 sur Metacritic, les reviews Steam. Donc la plateforme Steam, sont plutôt positifs. Bendy and the Dark Rival, la suite dont devrait arriver cet automne, comme l'annonce le trailer ci-dessous, le jeu est développé par Joe & Drew Studio. Et vous pouvez découvrir tout l'univers du jeu sur son site. Voilà, donc vous avez vraiment quelques images du premier pour mettre dans l'ambiance. Voilà, vous avez Boris à la fin du chapitre 2, puis vous avez le Butcher Gang dans le chapitre 3, ça c'est la cachette secrète de Boris, ça c'est le deuxième chapitre, et voilà, on va découvrir la bande-annonce avec vous, et c'est parti. Sa tête pépale à la noix. A pretty girl like you shouldn't be wandering around all by yourself. D'accord. Là, on se retrouve vraiment. D'accord. Je n'ai pas regardé la bande-annonce, hein, les amis. Je n'ai pas regardé la bande-annonce. Wow. Ah ouais, ça va être chaud. Oh punaise. Oh punaise. Oh là 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 là. Oh, ça va être bien. Allez, plus vite. Ouais, c'est bon. Allez, ouvre. Ok. T'es machine must. Endure. Je sais pas ce que ça veut dire, les amis. Donc, voilà. Ça, c'est des Butcher Gang. Oh, punaise, ils ont évolué! Oh, le graphisme! Oh, ils sont trop bien! On dirait que c'est comme si c'est du réaliste. Bendy and the Dark River. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Ah, c'est trop bien! Je sais pas ce que ça veut dire. T'es machine. Que t'es écrit. Ah, si c'est ça, bah, n'hésitez pas à me dire dans la vidéo ou dans les commentaires. Donc, voilà. Mais non. Voilà, Bendy and the Ink. Non, pas
Blood Machine, ça j'ai en train de le faire, Bendy and the Dark Rival. Bientôt disponible, donc il sera disponible en automne, donc le tout premier chapitre. Et voilà. Avant de lancer la deuxième bande annonce pour vous montrer le deuxième trailer, voici Bendy de Bendy in Nightmare Run. Ça, c'était un jeu mobile, je suppose. Je pense que c'était vraiment que j'ai pu regarder. Donc voilà. Puis vous avez le voilà. Vous avez le deuxième jeu. Vous avez le tout premier Bendy de Ink Machine. Oh. Voilà, vous avez Bendy de Ink Machine qui est sorti en 2017. Puis vous avez eu Boris and the Dark Survival. Et puis nous avons Coming Soon Bendy and the Dark Rival, le deuxième jeu Bendy. Je vais cliquer sur Bendy Coming 2020 et je vous laisse vraiment la bande-annonce. Tac. I remember my first day down here. D'accord. I know, it's scary. Keep moving and stay close to the shadows. Above everything else. Oh, punaise. Stay away from the ink demon. D'accord, on a Alice Angel. Anything that moves. No coming in 2020. Pour cette année. Bill Smith, mes petits briniques, une herte, auto guesting for your fan. D'accord. Little Rally. D'accord. Bendy and the Dark Rival. Ouais. Déjà, les amis, c'est déjà un nouveau endroit. On ne sait pas, en fait, on n'a jamais été. Donc, nous avons Elevator. Et là, c'est Animation Alley. Elevator to exit. Emploi V Lockers. Je sais pas ce que c'est vraiment, donc on n'en sait encore rien du tout sur ce gameplay. Hein. Ils en montrent une partie des choses comme ça. Ça c'est déjà pas mal. Puis regardez les amis, déjà, nous avons, en fait, si je dis bien, le nom du personnage qu'on jouerait, ce serait Audrey. Audrey, qui c'est ? Ben Audrey, est-ce que, ben voilà, après, vu que je n'ai pas fait totalement la fin, mais moi j'ai retenu que j'ai un peu joué sur Bendy et Ink Machine avant de pouvoir vous le faire, est-ce que c'est vraiment la petite fille de Joey Drew, sa petite nièce, qui fait... qu'elle a envie de voir son atelier, voilà comment c'est, et elle ne sait plus comment s'en sortir. Franchement, c'est des petites choses comme ça. Donc on ne sait pas, il y aura combien de chapitres, on n'en sait rien. Tout ce que je sais, c'est vraiment, ben voilà, le miroir, on peut se regarder dans le miroir. Dans le chapitre 3, dans le tout premier épisode du chapitre 3 sur Bendy the Ink Machine, qu'on a été dans les toilettes, on avait une sorte vraiment de miroir, mais on voyait pas notre reflet. Et là, on voit notre reflet dans le miroir. Et ça, en fait, elle s'appelle Audrey. Et ça, c'est après l'événement, après qui se passe avant Bendy. Je suppose que ça se passe avant
Bendy and the Machine, ou ça se passe après Bendy and the Machine. Ça, on n'en sait rien, mais à mon avis, je suppose, soit c'est en avant, soit c'est en arrière. Après quoi. Avant, après, avant, après. On n'en sait pas vraiment. Franchement, c'est déjà ça. Keep moving. Else, above everything else. Alors déjà, que j'ai pu connaître, pour comparer, ça s'appelle des Lux One. Oui, j'ai fait ma petite recherche. En fait, ça s'appelle des Lux One. En fait, pour comparer, ils sont féminins. Donc voilà, qu'on va avancer beaucoup plus sur Bending the Ink Machine, on verra des Lux One. Et en fait, là, pour comparer, nous avons des cheveux. À mon avis, c'est une femme, soit des employés qui ont carrément fait par l'encre, et voilà, qui étaient ramenés par la vie. Everything else. Voilà. Donc en fait, on peut voir, il y a un homme. Et il y a une femme. Donc, à mon avis, c'est des employés de Joe. Bah voilà, regardez. Nous avons un Lux One. Là, il n'y a pas de cheveux. Là, il y a des cheveux. En fait, ça, c'est une femme. Et ça, c'est un homme. Pour diverser la comparaison entre femme et femme. Entre femme et femme. Non. Entre femme et homme. Et ça, je trouve que c'est déjà un bon point fort. Et même pour le miroir aussi. Pour se regarder dans la glace. Ça, c'est déjà un bon point fort. Alors, voilà. Je suppose que, voilà, à la fin du Bendy and the Machine, ben, on a sauvé Henry. Je suppose. Je vais pas dire la fin totalement parce que je n'ai pas encore fait la fin de Bendy and the Machine. Je suppose qu'elle avait fini sa tâche de mission de sauver Henri et que maintenant elle doit sauver carrément retrouver Audrey, la petite nièce de Joe Drew Studio, ou soit c'est peut-être la fille de Henri. On n'en sait pas, mais je pense que c'est la petite filleule de Joe Drew Studio. De Joey Drew, donc qui vient voir dans mon atelier, j'ai quelque chose à te montrer. Donc, et en fait, dans le Bendy and the Machine, il dit que il n'a pas de famille, tout ça, et que j'ai personne ni rien, tout ça. Et à mon avis, Alice Angel va arriver pour l'accompagner et de sortir dans ce pétrin. Je pense que ça va aller plutôt comme ça. Donc, c'est déjà pas mal. Là, on peut voir vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, je pense que c'est un énorme cœur. Je pense que c'est ça, c'est vraiment un énorme cœur. On n'en sait pas plus. Moi, je dirais c'est plutôt un cœur. Et ça, en fait, est-ce que je suppose vraiment. Est-ce que vraiment les Lux One, vu qu'ils sont de l'encre, est-ce qu'ils peuvent déjà faire fusion? Faire une fusion entre Lux One et créer un méga Lux One? Ça, ce serait génial. Mais on ne sait pas plus que ça, donc voilà. Franchement, et tout ça,
sur Bendy and the Dark Rival. Voilà qu'est-ce que je peux vous dire un petit peu sur ce... sur cette bande-annonce. Pour moi, je ne sais pas s'il va avoir... à mon avis, je suppose qu'il va avoir encore Bendy, je ne sais pas. On ne sait pas encore beaucoup de choses sur Bendy. Oui, pourquoi on dit toujours le mot Bendy? Est-ce que Bendy va revenir? Parce que c'est fait de l'encre. Donc, Audrey doit... En fait, Audrey, elle doit s'échapper du studio. D'un nouveau studio, donc je sais pas... D'une autre partie du studio qu'on n'a jamais vu auparavant. Voilà. De toute façon, il sera bientôt disponible. En tout cas, le premier chapitre sera disponible pour cet automne, je pense en octobre, quoi. Et si vous voulez que je fasse mes petites théories pour regarder la bande-annonce pour les autres chapitres, on ne sait pas quand il sortira le deuxième chapitre, peut-être le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, on ne sait pas il y aura combien de chapitres. Déjà, on a déjà le premier qui sort cette année-ci. C'est important parce que vu, j'adore ce jeu, je me suis vraiment accroché. Et quand j'aurai fini Bendy and the Ink Machine, j'ai très hâte de pouvoir faire ce let's play avec vous. De toute façon, je ferai pas la démo. Je pense que je ferai totalement le let's play. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse montrer les chapitres. Comme ça, vous verrez un petit peu à quoi ressemble au niveau des chapitres. Déjà, on a déjà le tout premier chapitre comme bande-annonce. Donc le chapitre 2, il n'est pas encore sorti, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième. Je ne sais pas, il y aura combien de chapitres sur ce Bendy and the Dark Rival. Mais en tout cas, moi, il me donne vraiment envie d'y jouer. Et vu que je suis fan de Bendy and the Ink Machine, c'était pour la première fois que je suis vraiment fan de ce jeu. Un petit peu univers cartoon horreur. Des dessins Walt Disney dans les années 30 et 40. On découvre un petit peu ça. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres Max News par rapport à Bendy de Ink Machine. Non, pas de Bendy en Ink Machine, pardon. Sur Bendy and the Dark Rival. Le deuxième jeu Bendy. Comme ça, je pourrais vous dire qu'est-ce qu'il y aura dans le deuxième chapitre. Il y aura un nouveau, des petits nouveaux trucs qu'on n'aura jamais vu auparavant, mais moi je serais très honoré de vous faire ce jeu, la suite de Bendy de 2017, et j'ai hâte de faire des petites Max News sur les bandes annonces pour le deuxième jeu Bendy. Comme ça, quand il y aura un chapitre 2 qui sera sorti, je ferai un Max News sur le deuxième jeu Bendy. Comme ça, on pourra tout détailler, qu'est-ce qui arrivera. On verra un petit peu vraiment dans cet univers. Bon, j'espère que cette petite vidéo Max News pour le deuxième jeu Bendy, j'espère que vous l'attendez autant que moi, parce que moi, je pense... quand le jeu sera totalement sorti, on ne sait pas quand ni comment. À mon avis, ils vont sortir les chapitres. Il sort cette année-ci le tout premier chapitre. Quand il y aura les autres chapitres qui seront totalement arrivés et qui vont en cours de développement.
Bah, quand ce sera totalement fini le jeu, à mon avis, je suppose qu'ils vont faire comme Bendy and the Ink Machine. Ils vont mettre tous les chapitres pour faire vraiment l'histoire et mettre une complète édition sur le deuxième jeu Bendy. Et comme ça, je pourrais vous le faire éventuellement. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo Max News sur le deuxième jeu Bendy and the Dark Rival, en tout cas le premier chapitre sort cet automne. Donc voilà. De toute façon, je ne ferai pas totalement vraiment quand il sortira totalement, quand il y aura tout regroupé vraiment tous les chapitres dans une seule bande-annonce. Je pense que je le filmerai comme ça. Ce sera tellement bientôt qu'il va arriver vraiment pour le let's play. Et voilà. Bon, j'espère, voilà, ben, je pense que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire et que on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur Bendy and the Ink Machine, la suite du chapitre 3, et pour les autres vidéos qui vont arriver par la suite et continuer. Voilà. Allez. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me savoir en commentaire si vous voulez que je fasse faire une petite bande-annonce Bendy, le deuxième jeu Bendy, voilà, pour au niveau des bandes-annonces, pour parler un petit peu tout ça, comme ça on peut voir ce qu'il y a. Voilà, si vous voulez que je le fasse, bah voilà, je le ferai. Comme ça, vous savez un petit peu tout sur le jeu Bendy and the Dark Rival. Le deuxième jeu, Bendy. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. Nous, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo Max News. Et puis, voilà, les amis. Moi, je vous dis, c'était Max. Et c'était avec plaisir que je vous ai montré le jeu Bendy and the Dark Rival, le deuxième jeu Bendy, que je suis vraiment fan du premier opus. Et voilà. Allez, moi je vous dis, c'était Max, et ciao tout le monde.